C'est bon, ça tourne. Ok, donc petite vidéo pour vous montrer. On est actuellement donc au Dubai The Frame. On est à Dubai The Frame. Et donc en fait c'est un espèce de parc énorme où il y a plein de verdure et plein d'arbres, etc. Et du coup on peut... Non attends, c'est de la merde. C'est trop nul ce que je dis. Non ? Voilà donc une petite visite guidée de notre appartement actuellement à Dubaï. Donc là c'est le salon. Voilà, le salon avec du coup des énormes baies vitrées. Donc on est vraiment au centre. Donc on est dans un quartier qui s'appelle Downtown, je crois. On a un magnifique chantier juste en dessous de nous. Et donc là, comme vous pouvez voir, en fait, on a une petite vue sur la mer, là-bas tout au fond. On voit pas très bien, mais bon voilà. Tac. Donc je continue la visite. Voilà donc notre salon. Ensuite on a donc la cuisine. Donc me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il y a une pièce vide qui sépare du coup la cuisine et le salon. On ne sait pas trop à quoi elle sert, mais bon voilà, elle est là. Ensuite la cuisine, donc c'est un petit peu le bordel, mais c'est parce que du coup je suis en train de cuisiner. Donc là je fais des petites patates douces avec du coup du poulet comme d'hab. Voilà. Je continue. Ensuite on a donc un couloir avec toutes les chambres. Donc là-bas c'est les chambres à coucher. Donc ici on a un toilette. Là c'est une chambre. Là c'est une deuxième chambre. Et là-bas au fond du coup c'est la master bedroom. Donc, je vous montre un peu à quoi elle ressemble. La salle de bain. Voilà. Petite salle de bain. Avec douche et baignoire. Donc toutes les chambres sont faites comme ça. Bon, il y a 4000 interrupteurs. Je sais jamais à chaque fois à quoi ça sert. Il y a trop d'interrupteurs. Chaque chambre a une clim. Voilà, une chambre. Avec du coup placard. Un petit dressing comme ça. On continue. Hop. Ici on a une sorte de pièce pour la laverie en fait. C'est une pièce à part pour la laverie. Là ici. Et donc la master bedroom qui est un petit peu en désordre. Voilà. La master bedroom. Avec un petit balcon. Toujours. Une vue. Une superbe vue. Et puis du coup. Des tours juste à côté. Voilà, et puis la salle de bain, je vous montre. Pareil, il y a 4000 interrupteurs. Voilà. Baignoire et douche. Hop. Un dressing du coup comme ça. Un autre placard. Et puis voilà, voilà pour cette visite. Let's go. Tout, on va se préparer, on va retourner tourner du coup dehors. Et puis c'est parti.
Ok, donc petite vidéo pour vous montrer. On est actuellement donc au Dubai The Frame. On est à Dubai The Frame et donc en fait c'est un espèce de parc énorme où il y a plein de verdure et plein d'arbres, etc. Et du coup on peut... Non attends, c'est de la merde. C'est trop nul ce que je dis. Non ? Bon ok, on est donc dans un énorme parc au plein milieu de la ville et donc comme vous pouvez le voir il y a des buildings qui nous entourent et il y a également donc le... Bah juste là du coup, The Frame, qui est du coup super connu à Dubaï. Alors on n'est pas rentré dedans parce que du coup il y a énormément de monde et il y a au moins 40 minutes d'attente pour rentrer dedans. Mais apparemment on peut en fait prendre l'ascenseur et monter tout en haut pour avoir du coup une belle vue en fait sur tout Dubaï. Et donc voilà, pour le moment on fait une petite pause dans le parc pour pouvoir profiter et se détendre un petit peu. Alors, nous voici donc à Sunrise Beach, donc, qui est donc une des plages de Dubaï. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vu sur la ville juste ici. Donc là, on a le Burj Khalifa, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec du coup un magnifique coucher de soleil juste derrière moi. Et donc là, on s'est un petit peu baladé pour tourner quelques vidéos pour la chaîne YouTube de mon copain. Et là maintenant, on est en petite détente parce qu'on a tourné toute la journée et du coup, on est un peu crevé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer du coup à l'hôtel pour aller manger et on va rejoindre quelques amis. Et puis voilà, du coup...